Bah, il y a 40 milliards de projets en même temps. Mais euh, ouais, j'essaie de développer un projet euh, comme Jazz électro en trio. J'essaie de développer aussi un, un projet swing, euh, où on joue que des standards. J'ai un projet de danse, avec, euh, des, avec un groupe qui s'appelle les Udat. Et j'ai aussi un projet funk, avec un chanteur hollandais. Donc j'essaie d'être hyper actif en dehors de, de la tournée. Je trouve que. C'est important en fait de ne pas se perdre, par contre, quand, quand tu t as t accès à ce genre de tournée-là, c'est très facile après te, de se laisser aller, de juste euh, laisser couler le truc et puis de voir ce qu'il y aura après. Mais moi je me dis que c'est les vacances, c'est justement, c'est la tournée, c'est les vacances, et que quand on rentre à la maison, il faut encore plus taffer, donc euh, le rythme est un peu soutenu pendant la, les tournées, mais euh, c'est génial, c'est le kiff. Moi je ne démarche pas. Moi, je je me concentre sur euh, le côté musical et professionnel. Je pense que, je pense que si euh, tu es à l'heure, si tu si apprends les morceaux et si tu fais tout pour que ça marche, il n'y a pas de raison qu'on ne te rappelle pas en fait. Je pense que ça se fait toujours étape par étape et que quand tu as une opportunité, il faut juste la saisir et ne pas la rater. Mais je suis du genre à, je du genre à tout faire. quoi. Je veux dire, euh, si on m'appelle pour un geek, si je peux le faire, je vais le faire. Même si c'est dans un bar, euh, il y a 30 balles à se faire, euh, Charlais, euh, qu'est-ce que Claire je vais le faire. Si je peux, en tout cas, je vais le faire. Je travaille avec Beck Custom, qui est une marque franco-anglaise, qui est, qui, qui, est, qui, est, qui est dirigée par, par Yann, qui habite à Caen, et qui donc m'a fait ma batterie sur mesure, qui n'est pas sur cette tournée-là, mais que j'utilise dans mes projets à moi. Et c'est assez fantastique parce que je lui avais demandé un son assez précis. Et il a réussi vraiment à me restituer le son que je recherchais, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de, un, je voulais un mélange de, de tomes un peu tambour, un peu, ouais, un peu qui sonne un peu tambour, tout avec, 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 avec mélangé avec euh, une espèce de grosse caisse un peu électro, euh, très crade. Et il a vraiment réussi à me restituer. Et puis bon, elle est belle en plus, donc euh, je, je suis ravi. Et là, sur cette tournée-là, j'ai un truc plus efficace, plus gros. Mais le son est pareil, il est super, donc euh, je suis ravi. J'ai une grosse caisse de 22 qui est vide et qui sonne la mort, donc c'est très très agréable à jouer. Et après pour les cymbales, je suis chez Bosforus que je suis allé chercher directement à Istanbul euh, quand j'étais allé jouer avec Sébastien Tellier. J'y suis allé là-bas, euh, j'ai visité, je les ai branchés et, euh, et ça s'est fait. Donc je suis très content parce que euh, c'est pas du sur-mesure, mais c'est de l'artisanal, donc euh, donc euh, ça sonne comme j'ai envie que ça sonne, avec les défauts et les qualités.